Eh bien bonsoir à tous. Putain, je pensais que j'étais en retard alors que même pas. Même pas de retard. Ça c'est incroyable ça. Trop content de vous retrouver ce soir pour du Minecraft. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait de live sur le serveur. Ça va être génial. Salut à tous évidemment, j'espère que vous allez bien. Donc grosse soirée de 4h normalement là. On se croirait aux infos. Ah ouais, à ce point là? Ah d'accord. Et mesdames et messieurs, la météo, donc dans le Poitou-Charentes, il va y avoir du soleil pendant tout le week-end évidemment. Ce soir on va chill un max, on va faire un petit peu le tour de vos bases. On va aussi pourquoi pas faire du vocal. Je pense que je vous prendrai un par un vocal pour que ce soit un peu plus cool aussi. Et pourquoi pas aussi record. Enfin record, je prendrai la VOD et peut-être pourquoi pas faire un petit best-of pour YouTube. Voilà, ok, donc normalement, si j'appuie sur ce bouton là maintenant. Voilà, ok, nickel. Bon Martex du coup. Martex, est-ce que tu veux vocal ou pas Martex? Si tu veux, mais pourquoi? Pour faire tout simplement montrer ta base en live Martex si tu veux. Tu n'es pas obligé de vocal, hein, si jamais on peut juste suivre... On peut juste te suivre évidemment comme ça, tranquillement, et puis comme j'ai déjà fait précédemment sur mes précédents live Pacifista qui remonte quand même à il y a longtemps. Alors, oh là, on a déjà une belle salle des coffres là. Une belle salle des coffres, bien design. J'aime beaucoup ce design là. Elle est un peu trop petite pour l'instant. Ça fait déjà quand même... c'est quand même une salle des coffres déjà pas mal en vrai. Coup, ah ouais, on a déjà un bon petit tri. Est-ce qu'il y a un système de tri derrière ou pas? J'arrive pas à voir. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air, mais c'est déjà, ouais, monstre. Ensuite, bon là on a un petit champ de vache. Est-ce que c'est automatisé? Je vois des droppers là-bas là. Ah oui, c'est pour la laine là-bas. Hein. Je vois que c'est pour la laine. Ok, ok. Cool, cool, cool. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est Martex ici là? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, une farm à miel apparemment. Y'a rien dans le nether, mais je compte faire une géante base dans l'eau avec un conduit genre 5.5 chuck. D'accord. Alors ça, les bases sous l'eau, j'ai toujours kiffé. Hein. Ça, sachez que j'aime beaucoup. Trop cool, ça. Ah oui, d'accord. On a déjà un gros trou. Putain, mais il y a tellement de gens qui creusent des trous sur le serveur. Il est là, le pacifiste trou, les amis, là. Voici le pacifiste trou, ça y est. Ah oui, donc là, on a encore des coffres. Oh, sympa, l'escalier, là. Ça fait un peu style moderne, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style moderne. Je crois que c'est un des styles que je préfère, hein, globalement, finalement. C'est cool. C'est quoi, ici? Mur des défis. Mur des items collector. Ah ouais, on a déjà préparé des petites choses pour entreposer, du coup, effectivement, les nouveaux items, etc. Pacifist trou, brevet déposé par moi. Ah bah là, là, clairement. En même temps, c'était rigolo. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé, pour le coup. Ah, il y a ma tête, là. Comment t'as eu ma tête, toi? Il y en a qui... Je crois des fois, j'ai droppé tellement ma tête que... Il y a des fois, je me pose la question de... Mais attends, mais comment il a eu ma tête, lui? On est sur deux débuts de base, du coup, Martex, en tout cas. Enfin, bon, début. En vrai, j'imagine que Martex a dû prendre tellement de temps à miner tout ça. C'est... Combien de temps ça t'a pris, pour savoir, juste pour... Un week-end. Ah, oh, ça va, en vrai. Je m'attendais plus... À plus que ça, parce que c'est quand même... Il y a combien de chunks, là? 6, je dirais, non? En tout cas, bah, GG, Martex. Hein. Il y a un mineshaft, là, qui vole. On sent la flemme là. Hein. On sent la flemme de j'avais pas de hache et du coup je me suis... Ah oui. Eh oh Martex là, tu crois que je t'avais pas vu là? Incroyable ça. Non mais... Et salut Getchat. Bonsoir monsieur Phoenix Gaming. Comment allez-vous? Ça va et toi? Bah écoute, pépouze hein, tranquillou comme d'hab. Hein. Vas-y si dis-moi. Si tu veux te TP, tu peux te TP. Oh là là, il a déjà tout préparé, quel professionnalisme. Oh là, ouais, c'est bien suis... plat ici. Ouais, je suis en plein aménagement. Ah oui. Déjà alors, je t'explique. Ici, ouais, il y a deux spawners. Ok. Un cochon et un vache, comme ça me fait de la bouffe automatiquement et tout ça. Ouais. Comme ça, tu peux voir. Tu peux enlever ses claims, tu peux ignorer le claim, il n'y a pas de souci. J'ai déjà le mode activé, t'inquiète. Donc là, il y a un double spawner à zombie avec, qui me rend un petit peu de trucs, mais bon, c'est pas encore trop ça. J'y vais pas souvent, donc voilà quoi. Je suis plus concentré sur un set des coffres de malade mental que ça quoi. Là. Bon, je vais t'expliquer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de changements qu'il y a eu en une après-midi. Parce ouais. Que j'ai joué l'après-midi. Ça a poncé un peu là. Alors, ça a bossé un petit peu. Alors ici, c'était mon ancienne base. Ouais. C'était ma base au tout début. Là, il y a une petite farm à canne automatique qui est juste derrière là. Ah, elle t'est cachée. Ah, les fameuses farm à canne à sucre. Incroyable. Voilà. Et là, tu as accès à la fameuse salle des coffres. Qui a bien... Oh
Ok. Voilà. Ok, là ça déconne zéro. Je t'ai pas prêt. En gros, là t'as 6 chunks. D'accord. Ah ouais. Qui est, à la base, elle devait être automatique, totalement automatisée. Sauf que, comment te dire, que la salle des coffres, moi et la Reston, ça fait 4. Hein, voilà. Ouais, bah, donc, pareil. Tu hein, la flemme. Et si tu viens juste en dessous, t'as la même salle. Ouais. Juste en dessous, t'as la même salle. Bon, c'est pas fini encore, c'est en cours de prépa. Ok. Ici, ça va être ma zone farming. En gros, ça va être là où il y aura toutes mes plantations. Comme ça, j'aurai tout à porter. Ouais. Et je compte faire, j'ai une idée derrière la tête, faire un grand chemin qui remonte à la surface pour m'enlever, pour après boucher la de la grotte. D'accord, ok. Comme ça, qui peut faire plein, je peux encore faire plein de trucs. Est-ce que je compte, parce qu'elle n'est pas totalement finie, ouais. La salle des coffres. Est-ce que je veux, au milieu, je voulais faire des piliers de soutien qui reviennent sur le toit et tout ça, des gros piliers avec un peu de détails et tout ça. Ouais, ouais, GG pour cette petite base. Bon, bah du coup, on va prendre un autre, du coup, ça sera AFK, du coup. Un autre participant pour le tour des bases. Alors, est-ce que Afka, tu veux vocal par le plus grand des hasards? Ah, je pense que ça va être mieux comme ça. Oui, sûrement. Ok, bah du coup, je vais me TP sur toi. Alors, c'est pas ma base pour l'instant, mais je tenais absolument à montrer ce que j'ai fait hier. Ouais, pas de soucis. Le gros tarbe là-bas. Ah ouais, ouais, il est joli. Et comme tu peux le voir, il est pas terminé. Ouais, ouais, non, mais c'est sympa. Avec des petites lianes et tout, je pense que ça peut être vraiment sympa. Autour, il y aura une forêt avec une espèce de place de village elfique. Ah ouais, alors ça par contre, tu nous hype là. Hein. Parce que village elfique, je pense que ça peut être grave sympa. Grave une bonne ambiance de village et tout. Ah bah, et cool. Du coup, bah go ma base, ma yep. Vraie base. Ah. Voilà, c'est bon, tu peux te TP. Yes, je suis... Oh, ah oui, ah, c'est la fameuse maison que j'ai vue en screen sur Discord, ça. Exactement. Ah yeah, ça envoie du lourd. À l'intérieur, c'est pas du tout décoré. Franchement, j'ai complètement abandonné ici. Le chat, n'hésitez pas à me dire, du coup, à dire dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est votre délire? Est-ce que vous trouvez ça joli ou pas? Mais ouais, en tout cas, personnellement, la petite maison là, grave stylée. C'est des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble, mais qui là vont bien ensemble, je trouve. Pour ça, on peut dire merci à Roi Louis. T'as pour la petite anecdote, Roi Louis est déjà passé sur le live. Et nous a fait des petits commentaires sur certains builds du serveur et tout. Du coup, avec un peu ah de bon chance, s'il repasse un jour, voilà, ça peut être cool. Mais ouais, il était déjà passé, il est resté 15-20 minutes à faire des petits commentaires, c'était chouette. Julien qui dit que c'est Stylax, je dis pas que c'est moche, mais j'aime pas trop, je trouve ça trop plat. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'il y a passé de... De relief. Passé de contraste. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, c'est le but. Ok, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Est-ce que tu as autre chose à nous montrer, du coup ou... Mon autre base avec ma première base que j'ai, c'était sur survie bêta. Ouais, ouais. T'es avec des gens ou t'es tout seul? Je suis complètement tout seul. Et là, ici, en milieu du foyer de bambou, t'as un ascenseur pour aller à ma salle des coffres, mais je peux pas y aller parce que je bug trop. Ah oui, j'avais pas vu. Je me suis trompé d'endroit. Ah ouais, j'ai une petite salle des coffres, toute okay. Petite. Oh, c'est avec pas mal. Un petit bloc de netherite. Ouais, on le voit là. Hein. Ça flex un peu. Hein. L'exposition du bloc de netherite, hein, vraiment, il donne envie là. Hein. Petit coup de pioche là. Ah bah non. Et non en fait. Mais voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne fin de soirée. Peut-être à plus du coup sur le live. Merci. Et puis ouais, prochain tour de base, à voir si ça a avancé un petit peu ou pas du coup. Ah, ça aura forcément avancé. Yes. Et bah bonne soirée à toi, des bisous. Et puis à très vite. Merci à toi aussi. À bise. Et ma connexion qui est mute. Ah. Bonsoir monsieur. Ça va ou quoi? Bah ça va très bien, toi tu m'entends bien parce que j'ai un petit problème avec mon micro en ce moment. Ouais, bah je monte un petit peu ton son, c'est vrai qu'il est un peu faible. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Et bah ça va très très bien. Formidable. Alors déjà, combien est-ce que t'as de base à nous montrer? Bah j'en ai une, c'est un petit village tranquille. Voilà. Ok, bah let's enfin, go. Petit, bon oui, ça. Petit, ça dépend de la proportion qu'on a. Alors faut éviter de voler parce que bon, les forêts c'est pas des vraies forêts quoi, donc Ok, bon. Je vais rester à patte alors. Bon, il y a... Bon, alors... Monsieur, là. Alors, monsieur. On va éviter ça. Un petit château, comme tu peux le voir derrière toi. Ou, voilà, ah, là, il y a du relief. Qui est pas très grand. Un petit château, quoi. Petite bourgade. Bon, on a un grand arbre. Alors, vu que je suis très mauvais en arbre, c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais. Est-ce que ça va être décoré pour Noël ou il va rester comme ça? Bah, écoute, alors, il y a un petit bonhomme de neige, voilà, qui... Bon. J'ai fait ça 10 minutes avant que... Ouais, mais il est cool, hein, en vrai, il a de la gueule, hein. Je sais comment c'est aujourd'hui, les décos de Noël et... Oh, franchement, ça passe, hein, ça passe crème. J'ai commencé il y a pas longtemps. Bon, là, ici, on a une petite église. Ouais. Il n'y a pas encore de chemin pour y accéder. Ah, vous faites d'abord les bâtiments et le chemin après, quoi, ce qui paraît... Ouais.
Bah moi je suis tout seul qui construit ici. Ok. Je ne fais jamais l'intérieur de mes bâtiments, c'est une règle. C'est interdit. C'est pour la flemme, ça, monsieur, je reconnais, non? Non, non, c'est une interdiction, c'est. Nous n'irons pas plus loin sur cette investigation. C'est une règle que je me suis imposée. Respectable, hein, c'est respectable pour le coup. Bah, en tout cas, ouais, c'est cool. Bah, de toute C'est. façon, pour l'instant, c'est que des grands bâtiments qui sont faits en premier. Après, je crois des petites maisons. Là, j'ai brûlé une forêt entière ici. Il y aura sûrement des petites maisons que je mettrai à vendre. Ah oui, on voit. Hein. Tranquille, oui. Le reste de la forêt là. T'es un petit peu brûlé, quoi. Ouais, ok. Eh ben, ma foi, c'est chouette. Hein. Merci pour cette belle visite. Voilà, tranquille, tranquillou, quoi. On avance petit à petit, mais. Tu comptes mettre un warp du coup ou t'en as peut-être déjà? Y en a déjà un ici, là, mais pour l'instant, c'est. Ouais, c'est un TP qui. Ah oui, d'accord. Non, des petits panneaux pour expliquer ce que ce sera après. D'accord, ok. Bah, c'est cool. Écoute, ma foi, si jamais t'as un petit mot de la fin. Bah, acheter mes élytras. Et c'est parti, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à dépenser tout votre argent dans le shop à Elytra. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de soirée. À tout de suite sur le live Merci, si tu restes, du coup. toi. Et puis. Oui, bon, oui, sûrement, de toute façon, j'ai. Eh ben, formidable. Merci beaucoup, en tout Allez, cas. merci à toi, salut. Ouais, salut la bise. Alors, Paywarp. Paywarp TP McDo. Alors, oh, ma foi, ça me hype déjà. Qu'est-ce qu'on a ici? Des fusées. On a des sticks ici. La diorite. Golden Apple. Ouais, moi, je peux me servir directement, attention. KFS, KFC. Attends, c'est quoi? On a un McDo et un KFC du coup, c'est ça? Ah, mais ça ressemble pas mal en vrai, hein. Ça reprend les designs un petit peu des bâtiments, c'est cool. Commandez par ici. Là, j'arrive en voiture et tout. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a là? Passez vos commandes, Elytra, kit de Shulker, nombreux choix. Commandez avec les livres sans signer. Ça, j'aime beaucoup. J'aime trop ce qui se passe ici. Du courage d'un taureau. Salut! Coucou! Oh, des Elytra! Hop! Pas du tout. À côté, il y a le Subway. Attends, mais ne me spoil pas tout ça, Dédro. Je vais voir au fur et à mesure. Voyons. Getshot, il y a le Paywarp, si tu veux venir. Il y a le Paywarp. Désolé, Fufu. On n'excuse pas ici, Getshot. On tue. Ah ouais, le Subway qui est là! Mais c'est trop bien avec les bannières et tout. C'est génial. C'est beaucoup trop cool. Ah ouais. Vous en pensez quoi, le chat? T'as la vue aérienne, là, les amis. C'est trop, trop bien. On échelle, du coup, évidemment, Dédro. La base de Dédro, elle est vraiment cool. Allez, je pense que, réellement, je ferai un petit best-of de ce live pour YouTube. Parce que, en vrai, cette petite session tour des bases, ça me donne envie de faire plus souvent. D'en faire plus souvent. Ah, ok. Oh! Ok, ça a l'air cool, ça. Ok, j'aime beaucoup, là. Là, ce qu'on a là, c'est cool. 73 sur 100. Mettez une note sur 20, du coup, pour le KFC et tout, là-bas. Et au pire, faites une note globale pour ça aussi. N'hésitez pas à noter. 8 sur 10, 19 sur 20 car les fusées sont pas chères. 8 sur 10, ouais, ok, ça vous plaît du coup? Ça vous plaît, ça vous plaît? Ok, c'est cool. Ça, je sais pas si je t'ai proposé des draws, si tu voulais vocal ou pas. Ah, du coup, c'est un peu trop tard. Je sais pas si tu voulais vocal du coup des draws. Ah, bah non, oui, tu peux pas. C'est vrai que tu. Oui, complètement zappé. Si jamais tu veux venir vocal, si t'as envie pour expliquer un petit peu de lore et tout. La prochaine fois, pas de soucis en tout cas, pas de soucis. Ok. Bah écoutez, gros GG des draws pour cette base là. Belle aventure, surtout ça là, hein. Grave mims. Surtout avec le petit port, avec les bateaux et tout, c'est grave bien. Et coucou! Salut! Salut, comment tu vas? Ça fait longtemps! Ouais, j'avoue que ça fait longtemps que je suis pas venu sur Discord discuter un peu. T'as combien de bases du coup? Alors j'en ai une qu'on a commencé il y a un tout petit moment avec un pote. Et Ouais. il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Ah, on a un petit style japonais si je me trompe pas là. Il y a japonais, Ouais. donc ça c'était celui qui est arrivé en dernier. Il y a cette petite maison qui est faite par Shokapi, qui est du coup un pote du lycée qui a fait ça, Ouais. qui s'amuse à faire des petites machines. Si tu veux venir voir, il y a un petit bloc de fer à l'entrée à droite. Ouais. Ah oui, il y a des petits minecarts là, c'est quoi ça? C'est des. Ah, c'est une ferme à melon, ça? Ferme à melon et pastèque et citrouille, pardon. Et puis là, ferme à canne à sucre et cactus. Ok. Après, bah, j'ai fait toute la muraille. Enfin, en gros, j'ai fait une muraille, mais ça protège de rien du tout, mais. Les arbres, là? Ah oui, non, les. Ouais. Oh, c'est cool, en vrai, ça donne un petit effet un peu nature et tout, j'aime bien. Ouais. Voilà, et donc je me suis amusé à faire ça. En dehors de la base, bah, tu vois, on a fait un petit lac avec. On est allé récupérer des petites tortues. Ouais, il y a un petit champ à abeilles là, trop cool. Ça fait très naturel, j'aime Bon, bien. c'est même pas fini. On a essayé de faire un. J'ai fait des petites plantations, tout ça pour. Je trouvais ça joli, je trouvais ça Ouais. sympa. Ça faisait une petite déco.
Voilà, on est en plein jour du coup, mais en vrai ça rend super bien, je trouve. Il faut que je l'éclaire encore un peu dans les champs, mais autrement, voilà, donc j'ai mis encore quelques ruches et puis il faut encore que j'améliore certaines choses. Donc là, tu as des petits champs. Ah ouais, grave Donc si sympa. tu montes de 2 étages, tu as une sorte d'appartement. Puis ouais, voilà, donc ma petite maison. Et si Ouais. tu viens par là, si tu passes par là. Les plus beaux trous de Minecraft. Eh les gars, ça y est, bah vous battez pas pour vos trous par contre, hein. Ça va pas le faire. Je vois Julien, il est plus gros le mien. Bon les gars, sorti de son contexte déjà, voilà. Et ah la team trou, calmez-vous. Donc là, j'ai découvert les beacons, enfin. Ah oui, Donc là. voilà, je me suis fait mes petites salles pour l'instant. Bah, tu vois, je commence seulement. Après, ça va continuer Ouais, j'aime tout le beaucoup. long. J'aime bien Après, cet aspect noir si. comme ça, là. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est faire une petite salle des fours. Ouais. Donc c'était Grave cool. juste pour m'amuser à la base. Puis après, bah voilà, on a développé, on a fait une petite salle des coffres en commun, tu vois, à trois, parce que j'ai une Ouais. petite salle des coffres perso avec tous mes gems, c'est tout. Donc tu vois, petite salle des coffres, tu vois, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc Ouais. on a miné un tout petit peu, tu vois, un peu de diamant. Ouais, vous êtes bien, quoi. Donc tu vois, après, si tu descends par là, Ouais. Ah ouais, oui! voilà. Donc voilà. Donc c'était ma petite faille au début. Oh, Bah, quand je suis petite. arrivé à la base, ça devait être ma première base, tu vois. Ah oui, grave cool en vrai. Les gars, le chat là, la faille, on réagit un peu là. Grave cool en vrai, la faille, j'aime bien. Les lanternes partout. J'étais en train d'en faire une deuxième. Et bah, je sais pas, je me suis mis sur un autre projet encore. Après, souvent Minecraft a tendance à partir un peu à droite à gauche, mais GG hein. Ah ouais, mais trop trop. Attends, je vais mettre les shaders, je vais voir ce que ça donne dans la grotte là. Oh, avec les shaders. Oh là là, ça rend trop bien. Attends, je me mets en bas. Ah ouais, non. Ah ouais, non, là, ça revoit de la patate, hein. Ah ouais, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. D'être décoré, enfin en gros toute la base, faut que je décore tous les petits endroits, que je fasse des petites maisons, pardon. Ouais. Bah écoute, GG. Sur ce, si t'as pas d'autres choses à me montrer, je pense que je vais te laisser là-dessus. Incroyable. Bon, moi, en tout cas, GG pour tout ça. Et puis, Bah, merci de te passer. Ça bah, fait avec plaisir. plaisir. Ouais, bah, en tout cas, c'est vraiment cool de mon côté aussi d'un peu discuter avec vous et de voir un peu ce que vous avez build, de votre petite histoire et tout. C'est sympathique comme tout. Et puis, ça sera pas la dernière fois. Donc, en vrai, la prochaine fois que je passe, hein, charbonne, hein, par contre. Hein. Puis, des gros bisous. Passe une bonne fin de soirée et puis, très vite, hein. Merci. Et ben vous aussi, bonne soirée. Yes, tchuss tchuss. Alors, Frizizi, ouais, t'es chaud? Ah, du coup, on va prendre quelqu'un d'autre. Alors, qui veut passer à la place de Frizizi? Je suis sur le Discord. Moi, je te vois pas, Frizizi. Je te vois pas, en fait. Ah, il y a un random avec moi dans le local, salut. Bonsoir, bonsoir. Ça va, quoi? Ça va très bien, et toi? Bah, écoute, ça va, je vais monter un tout petit peu ton son. Tac, tic, tac, tac. Normalement, ça devrait être bon. Non, sinon j'ai juste une toute petite ville que je fais avec des potes. Ah, déjà, j'ai vu un moulin, plus un point de style. Voilà, donc bah, on va commencer par ma maison. Je fais juste un petit tour un petit peu comme ça. Putain, c'est toit énorme là. C'est quel style ça déjà les toits énormes comme ça? C'est un peu Médiéval. médiéval, ouais. Un peu médiéval, un peu hiver, enfin neige et tout, je dirais. Plus c'est de la Ouais. neige au-dessus. Stylé. Ah, c'est décoré à l'intérieur. Toi, t'as pas la règle la fameuse règle de flemme de décorer à l'intérieur? Bah, c'est pas vraiment décoré en fait, les Oh, étages du dessus. on va dire que ça, c'est le C'est juste une déménagement petite là avec les maison. coffres. Ah oui, là c'est le bordel, les coffres. Bon, voilà, je vais Les faire cartons un de lit quoi, déménagement. avec encore des coffres. Ouais, ça donne un peu de style, ça remplit quoi. Mais sinon, là où c'est vraiment aménagé, c'est en dessous, avec ma salle des coffres, Ah, ma j'avais pas vraie vu. salle des coffres. Poubelle sécurisée. C'est comment ça sécurisé? Comment ça? Bah, Explique-nous. en gros, si regarde, tu peux regarder dans le coffre. Ouais. Si je mets des items, ils vont pas directement, ils iront que si je sors du coffre. Ah oui, d'accord, oui, c'est un coffre trap, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et tant qu'il est ouvert, ça donne de l'énergie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas con ça. Du coup, bah là, t'as un portail on-off. Bah là, du coup, t'as une petite fournaise. Ouais. Ça, c'est parce que j'ai la flemme d'aller dans tous les fours. Là, c'est un truc à poulet, du coup, pour avoir de la bouffe automatique. Encore une fois, parce que je suis un gros flemmard. Là, c'est un système de coffre automatique, du coup. Donc il y a du tri et tout. Ouais. Oh, ça j'aime beaucoup ça. Ah, vous êtes sur une petite île là? On va tout l'aménager. Peut-être la prochaine fois où tu refais un live, ça sera tout aménagé. Ah, nice. Ça tease et tout, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Du coup, si tu viens par le chemin, là, t'as une toute petite écurie. Ouais, on note le chemin qui est quand même sympathique. Par ce chemin-là, du coup, il y a mon P-Warp avec mon petit shop, l'hôtel de ville.
Ah ouais. C'est le petit PWA. C'est PWA peu quoi ? Village Orillon. Village Orillon, voilà. Petite promo, PWA PTP, village tiré du bas Orillon, voilà. Donc vraiment cool les gens. N'hésite pas à venir. Hein. Attends, je vais me TP pour voir où est-ce qu'on arrive. PWA. Oui, forcément. Hop. Trop bien. Pour l'aquarium, je t'invite à mettre un petit shader parce qu'il est un peu moche sans shader. Mets du shader, s'il te plaît. Ah, j'ai peut-être pas les bons shaders, mais ça rend très très bien. Ah si, quoique, si. Ici, il y a ta belle tête, là. Ah, ça, c'est bon, ça. N'hésitez pas à mettre des têtes de ma tête chez vous, hein. C'est pour mon côté égocentrique, ça me... ça me permet d'avoir un petit quota. Mais du coup, c'est à peu près tout pour ce shop. Hop là. Bon, c'est nice. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. Bah, GG encore. Attends, vous avez du talent, hein. En vrai, avant de faire le petit live, je me suis dit, bon, il y aurait des petites basses sympas. En fait, pas du tout, hein. Vous êtes juste trop chaud. Hein. C'est trop cool. Bah écoute, on essaiera de bien avancer l'île pour ton prochain live. Ouais, bah écoute, pas de soucis, je serai là. Et puis, on verra tout ça à ce moment-là, du coup. En tout cas, GG. Des bisous, salut. Bisous, bisous. Et salut, Julien. Salut. Attends, plus beau, là, l'influenceur. Voilà. Ça va ou quoi ? Influenceur, garçon, ça va, nickel, toi ? Ça va, tranquillement. T'as une base ? Deux, trois ? Deux, du coup, maintenant, vu que j'en ai une que j'ai laissée. Ouais. J'en ai une, on va commencer par la... Bon, trop tard. Je vais dire, on va commencer par la petite. J'ai rien vu. Après, en fait, t'as ménagé, c'est tout. Ça fait un moment que tu l'as, celle-là, non ? Oui, celle-là, ouais, ça fait vraiment un moment que je l'ai. J'en ai fait plein à côté de l'eau. J'essaie de me décaler aussi, comme ça, j'arrive pas. Attends, je banne juste des gens. Hop, hop. Allez. Ah, d'accord, nickel. Voilà. Je vois que si on n'a pas les... J'ai un peu expliqué quand même, parce que de voir juste un trou comme ça avec des carpettes tout en bas, c'est pas très logique. Putain, que j'arrête de faire des journées entières où je joue. Non, mais là, je supporte plus du tout. C'est genre vraiment, t'as passé combien de temps à miner tout ça ? Tout ça, bah, on est 3, il me semble. Ouais. J'ai un pote qui, un jour, je me connecte le matin, il avait fait, je crois, 9 chunks d'un coup. Je suis en mode, what the fuck. J'étais pas prêt du tout. Ok. Et aussi, ben là, je viens juste de finir un chunk, mais sinon, ça avance petit à petit parce qu'en ce moment, je suis souvent fatigué à cause des cours et tout. Et en fait, tout ça, une fois que ce sera fini, ça se transformera en station spatiale, en fait. D'accord. Bon, bah en tout cas, je te souhaite une bonne fin de soirée. À tout de suite sur le live si tu restes, du coup. Et puis. Oui, je vais rester quand même. Ouais, bah formidable. Du coup. Si je m'endors. Bah, sans demain, ça me demande le live. Live ASMR. Yes. C'est cool. À bise.